Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4 de la Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Yon plaisir pour nous avoir, yon l'autre fois encore, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale dans le pays la France, en pile activité marqué 80e anniversaire D-Day, débarquement 6 juin 1944 là. Il y a un événement qui réunit en pile leader mondial parmi eux, président américain Joe Biden, président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ici en ce jour, monsieur le président d'Ukraine. Chancelier allemand Olaf Scholz, semblier premier ministre canadien Justin Trudeau. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée Israël touye plus passé 30 moun dans l'école dans Gaza. Et puis dans le pays d'Haïti, premier ministre Gary Conny rencontré jeudi avec conseil présidentiel transition pour finaliser discussion sous formation cabinet ministériel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer dans l'actualité internationale. La grosse nouvelle là, c'est dans le pays, la France, côté en pile activité marquée d'idée là. 80e anniversaire, débarquement 6 juin 1944 là. Et il y a plusieurs leaders mondiaux qui font déplacement, notamment président États-Unis Joe Biden, il y a premier ministre canadien Justin Trudeau, il y a chancelier allemand Olaf Scholz. Ils ont tout été là, sans oublier président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sandra Lemaire te suivre pour nous et activité. Président États-Unis Joe Biden commémoré anniversaire D-Day, jour J, avec un hommage pour vétérans. Il profite occasion en tout pour souligner l'importance de l'alliance internationale. La freedom is worth it. Democracy is worth it. America is worth it. Il dit liberté vaut la peine, démocratie vaut la peine, États-Unis vaut la peine, monde là vaut la peine. Longtemps, pour et pour tout temps. La guerre Europe là pas fini, pas avant ou l'autre 11 mois. Mais c'est ici que la victoire nous a commencé. Nous avons prouvé ici là que l'idéal démocratie nous est plus fort parce que n'importe l'armée ni combinaison l'armée dans tout le monde là. Nous prouvé au bagage ici tout que personne n'a pas écraser l'unité alliée. The unbreakable unity of the allies. N'a pas rappelé que D-Day c'était plus gros attaque amphibie dans l'histoire. What the Allies did together 80 years ago far surpassed anything we could have done on our own. Il dit ça allié yoté atteindre ensemble ça gagne 80 ans de ça aller plus loin longtemps parce que ça nous était fait pour nous. Ça c'est un exemple puissant de qui genre alliance, vraie alliance, rend nous plus fort. C'est une leçon ouais la prière américain pas j'oublier. Pendant la cérémonie, le président français Emmanuel Macron te remet médaille Légion d'honneur à 11 vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus grosse distinction pays la France. Messieurs qui recevoient médaille, te gagnent entre 98 et 104 ans. Macron beau chaque vétéran sous deux bords figure avant de détacher médaille là sous yo. Un homme qui te recevoir médaille, c'est un nègre qui relait Hilbert Morgol, qui te rejoint au bataillon attiré qui t'a opéré dans l'Est, pays la France. Il était membre troupe américaine qui t'a libéré camp concentration d'Auschwitz. Face au retour de la guerre sur notre continent, face à la remise en cause de tous ceux pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire. Soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Président ukrainien Volodymyr Zelensky et Madame Ni étaient sous place tout pour commémoration. Ils ont recevoir un gros bravo dans le moment où ils ont arrivé dans la cérémonie. Monsieur écrit sur réseau X que c'est un grand honneur pour participer dans la commémoration ensemble avec le président. Il a ajouté que l'événement ça rappelait courage et détermination alliés qui ont gagné leur étape de défendre la démocratie. Parmi l'autre leader qui était présent, nous joignent le premier ministre canadien Justin Trudeau. We must all continue to stand for democracy day in and day out
Les dix fois que nous continuons à défendre la démocratie chaque jour, nous devons génération dans l'avenir ça. Et nous devons femmes et garçons vaillants qui t'ont mis uniforme l'armée et puis faire un paquet de sacrifices pour protéger la liberté collective noire, ça a tout. Nous pas qu'à oublier ça. Prince William d'Angleterre, t'es parlé tout. Ensuring the memory of those who fought for freedom lives on is why we've come together again today. To say thank you. Thank you for our freedom and thank you for your service. Merci pour notre liberté et merci pour votre service. Il dit assurer que nous honorer mémoire moun qui t'est goumen pour liberté nous, c'est raison qui fait nous rassembler comme ça aujourd'hui à pour dire merci. Merci pour liberté nous et merci pour service nous. Attaque d'idée là t'est en main avec avion force allié yo qui t'est lagué bombe sous troupes allemands yo dans Normandie. Après ça à peu près 1200 avions qui t'a transporté troupes t'es arrivé. Avant soleil là, t'es levé, force alliée yo t'es commencé bombarder force défense allemand yo sous côte la France. Et puis bateau de guerre t'es arrivé avec l'autre troupe pour bail renfort. Gain presque 160 000 troupes alliées qui t'es débarqué Normandie. Mais tout gain plusieurs milliers nan yo qui t'es mouri. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc c'est un pile activité qui a marqué gros journée ça non seulement et jodi a mais qui a continué encore demain. L'autre point dans actualité nous parle dans région Moyen-Orient côté l'armée Israël lancé une frappe aérienne jeudi a sur l'école dans centre Gaza côté responsable la santé palestinienne fait qu'on est que 30 monde pour pipiti t'a mouri. Serge François Michel gain détail. France Défense Israël, il dit combattant Hamas qui a participé dans l'attaque 7 octobre contre Israël, comme servi à l'école là, comme abri, était dirigé à l'attaque terroriste la dernière. Bureau Hamas pour la presse rejeté déclaration Israël là. Il dit force israélienne commet un crime brutal contre le monde qui est déplacé. Frappe la fête sous l'école qui est en bas direction agence l'ONU pour réfugiés palestiniens à Nusirat. L'armée Israël a annoncé hier mercredi en commencement opération côté la frappe zone les visées. Tout près même zone nord, dans quelques parties dans Deir al-Bala, dans le camp réfugié Bourej. Hamas a lancé attaque terroriste 7 octobre là sur Israël. Côté 1200 monde qui perdu la vie, d'après chiffre Israël Tebaï. Et côté groupe là, à peu près 250 monde en otage. Il y aura fait 120 noyaux arrêtés dans Gaza toujours, malgré l'armée Israël l'a dit, 37 noyaux mourir. Israël te répond à bombardement à attaque à terre qui touille 36 000 monde pour petit dans Gaza, civil pour fort, d'après le ministère de Santé Gaza. Nations Unies, dans un rapport publié hier mercredi, avait dit que pour petit, 1 million Palestiniens pour arriver dans le dernier niveau grand goût qui existait. Distance pour mi-temps, mois juillet. Gros restrictions sur circulation manger, l'eau, gaz, aide médicale. La fait situation en plus grave dans Gaza. D'après un rapport Programme Alimentaire Mondial, PAM, avec Organisation pour manger et agriculture, FAO. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge. Et d'après dernier chiffre qui sorti, attaque et défense aérienne, défense Israël là, eh ben, et attaque ça t'a fait plus par environ 33 monde qui t'a mouru. Pour sauver ou à créole, on suivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conny rencontre aujourd'hui avec Conseil présidentiel transition pour finaliser discussion sur formation cabinet ministériel là et rencontre ça au fait après qu'hier que conseil là t'est rencontré avec pays qui dit aux amis Haïti. Nous sommes sur place Yves Manuel. Premier ministre Gary Conny organisé un déjeuner de travail hier mercredi avec représentants divers ambassadeurs pays qui dit aux ses amis pays d'Haïti sans compter organisation internationale. C'était occasion pour Premier ministre là remercier solidarité sans faille amitié pays amis Haïti sa yo selon une note qui sortit en bas plume primati.
Premier ministre a profité occasion pour parler de action prochain gouvernement dans le cadre accord 3 avril 2024 là qui chita notamment sur sécurité, relèvement social, économique, sécurité alimentaire et sanitaire, conférence nationale, état de droit, réforme constitutionnelle, organisation élection. Parallèlement, démarche pour formation cabinet ministériel là après possible après accord sur réduction quantité ministériaux. Conseil présidentiel là à Gary Conny réuni une autre fois encore journée jeudi dans la villa d'accueil dans l'idée pour mettre dernière touche concernant publication d'ici week-end ça liste personnalité qui fait partie prochain gouvernement. Pendant temps ça, certains partis politiques applaudissent l'idée pour réduire ministère dans une logique pour diminuer quantité dépenses l'état alors que il y a l'autre qui estime ministère conditions femmes et droits femmes, sans compter ministère la jeunesse, pas tant de faire partie de ministère qui pral dans l'autre ministère. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour Véroa Creole. Toujours sous situation dans le pays d'Haïti, eh ben, pays a souffri avec insécurité alimentaire grave d'après un rapport que Nations Unies publié, programme alimentaire mondial pour Haïti, a essayé de faire tout ça capable pour répondre à la crise là, avec programme yon plat chaud que yon bail chaque jour. Directeur programme alimentaire mondial pour Haïti a te parlé avec journaliste yon dans Nations Unies à travers yon appel vidéo depuis Haïti. Nous sommes sous place dans New York, Valerio Saint-Louis. Nations Unies publié un rapport qui plaçait Haïti une autre fois souffri insécurité alimentaire grave. Directeur programme alimentaire mondial pour Haïti a te parlé avec journaliste yo dans quartier général Nations Unies dans New York à travers vidéoconférence côté que l'était dans cuisine centrale organisation programme alimentaire mondial là qui dans Port-au-Prince. Il t'a expliqué volonté pour préparer plusieurs milliers repas chauds chaque jour pour famille qui déplacé et qui dans abri. Jean-Martin Bauer t'a dit que pas gain famine en Haïti, mais t'a qu'à bien gain Louis si sécurité pas améliorée et puis aide humanitaire a pas qu'à arriver joindre peuple sans danger sans que négaza pas détournel ni voler ni attaquer. Yon avion avec aide humanitaire est arrivé en Haïti mardi dans la semaine passée avec 15 tonnes manger avec provisions médicales. C'était premier arrivage aide humanitaire dans le pays depuis 3 mois et yon espéré plus toujours dans quelques jours qu'ap vin la yo, d'après directeur programme aide humanitaire mondial pour Haïti Jean-Martin Bauer. N'a rappelé que aéroport international Haïti a été réouvert lundi semaine passée 3 mois après violence gang yo te forcé autorité au femel. Plus passé 5 millions moun en Haïti a souffri dans insécurité alimentaire avec 1,6 million là-dedans yo qui dans catégorie moun qui dans situation d'urgence ou soit dans insécurité alimentaire aiguë. Organisation humanitaire a essayé fait tout ça yo capable pour répondre à crise là. Programme yo plat chaud que programme alimentaire mondial là dirigé a c'est un exemple ça yo. Jean-Martin Bauer te dit right now we've been able to use the stocks that we placed and positioned in Port-au-Prince. Kounia nous capable utiliser stock provision que nous t'ai positionné dans Port-au-Prince là depuis avant crise là, mais ça yo pas assez. Nous optimistes que avec réouverture pour yo nous pral capable importer marchandises sorti de yo et puis porter yo dans Port-au-Prince pour soutenir programme ça yo. Mais niveau stock l'autre acteur humanitaire te bas en pile et puis nous connaît tout que secteur santé a très affecté par stock médicaments yo qui bas qui disponible dans Port-au-Prince. Te gagne un gros déplacement moun. Dernière fois nous te gagne un chiffre qui sorti dans Bureau international migration qui fait qu'on est que plus passé 360 000 Haïtiens qui obligé de quitter Kayo. Plus passé 100 000 là-dedans, qui ont quitté Port-au-Prince dans le mois de mars là seulement. C'est comme ça que tu as un gros exode aussi dans la capitale là qui affecte spécialement zone site PIA. Du côté qui a une infrastructure très limitée, ça qui fait que la crise la vient pire mal toujours. Rien que bonne nouvelle, nous sommes capables d'arriver dans la Cité Soleil. Une partie qui n'est pas accessible dans Port-au-Prince. Nous sommes capables de porter ration manger par 93 000 personnes, juste pour moi, mais dernièrement, nous sommes arrivés pour porter un vol cargo qui est dans l'aéroport Port-au-Prince, qui est fermé pour une période de temps qui est longue. Nous sommes arrivés tout pour porter fournitures médicales importantes pour un pile partenaire, tant pour UNICEF et OMS. Mais crise là, là toujours. Nous n'en commencement mois de juin. Nous connaissons que ça, c'est commencement qui prévoit qu'il pourrait gagner une saison cyclone très actif. C'est là que l'organisation humanitaire a besoin de paraître tête pour agir. Il a besoin de paraître tout pour supporter Haïti. Mais au moment que le risque a augmenté, nous avons tout l'autre facteur que nous avons gardé bien, avec un pile attention. Il y a la donne impact dépassement ça qui a continué. Nous connaissons que prix manger dans Port-au-Prince a été augmenté de 27% depuis mois janvier. Nous avons rappelé que dans le mois de mars passé, pays Kenya avec Haïti, a signé un accord pour essayer de sauver un plan pour arriver à déployer 1000 officiers de police en Haïti avec l'autre pays là-dedans tout. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York.
Merci Valério. Donc c'est un gros défi à côté de l'insécurité, un problème économique qui devant nouveau équipe qui apparaît pour monter sous pouvoir. Et correspondant à Port-au-Prince, Massa Dovime a présenté un reportage pour nous par rapport à un grand chantier Conseil présidentiel transition. Défi qui attend pouvoir tout neuf si là semblait pas petit. Côté gang qui a assiégé majorité côté dans la capitale là depuis 29 février 2024 passé a pas quitté ville là sans conséquence. Gros la trouble nèg examen sa yo vinn faire en pile faculté l'état, tant qu'au faculté droit et économie, faculté médecine et pharmacie, faculté sciences, faculté odontologie pour citer ça seulement qui dans zone bandi contrôlée. Gagne tout plusieurs institutions publiques parmi au ministère intérieur pour se payer les côtes à pigo centre hospitalier pays à bandi au pied à qui une dizaine commissariat écrasé tout. Alors que dans plusieurs zones, groupes civils armés contrôlés, moun kapabwe, se zèb kap pousse là. Bon cathédrale qui te kon réuni plusieurs milliers marchands et professionnels, presque tourné en forêt avec toute qualité plante kap pousse dans l'espace là. Nous devons dire tout, dans le dernier rapport programme alimentaire mondial, PAM, mette dehors, fait qu'on ait gagné 5 millions de monde qui n'ont insécurité alimentaire, côté ou pas qu'à jouer manger, avec plus passé 300 000 lot qui quittent la caillou pour échapper à la violence nek exam. Il y a Port-au-Prince qui pa gen côté pour moun planter même yon épingle ti tèt ak fatra. Situation si la yo, c'est principal résultat phénomène insécurité a. Selon les spécialistes, le pays a besoin en pile temps pour réparer quantité de gars nèg exam yo fait. C'est dans contexte là, Premier ministre Garry Conille mandé pour toute petite nation mettre tête ensemble pour permettre la vie reprendre dans pays a. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massa Dovime pour VOA Créole. N'a prêté toujours dans Port-au-Prince et n'a pas les politiques réveil national à Calielio annoncé à partir de jeudi 6 juin 2024 là. Eh ben, y a travail contre nouvelle autorité haïtienne pour rapatrier sa yore les souverainetés pays d'Haïti. Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Vive la souveraineté d'Haïti! Vive le respect de la Constitution! Abat tout conseil qu'a comploté Jean-Tel Joseph, coordonnateur général Réveil National à Calier, en présence plusieurs dizaines leaders politiques et leaders différentes organisations sociopolitiques qui fait partie structure la dirigeant qui a annoncé à partir jeudi 6 juin 2024 là, une opposition contre nouvelle autorité pays. C'est pas peuple là qui choisit, yo, c'est communauté internationale là qui impose nous yo. Est-ce que nous fiers de ça? Est-ce que nous fiers pour dirigeants nous pour ces étrangers qui choisissent nous? Qui ça n'a fait? N'a campé, n'a boumé pour nous faire respecter droit nous comme citoyens. Si, je dis, nous tous pas les campés, pour nous continuer à défendre droit nous, nous avons garanti dans l'élection qu'a fait Dieu, nous avons saisi nous, nous nommé député pour nous. Yo nommé sénateur pour nous parce que yo prend nous comme un peuple qui nul. Et m'ba nous garantit équipe ça qui campé dans domaine avocat voyant ça yo militant politique voyant ça yo femme voyant ça yo nous prend engagement pour nous combien contre étranger pour nous combien contre collaborer pour nous libérer le pays. Jean-Tel Joseph dit yo ka bataille et yo prend bataille pour rapatrier souveraineté paysan pour pita papitrice pour peuple haïtien. Révèle à tout allié lio, le secteur revendicatif, le secteur religieux, le secteur vaudou, le secteur populaire et tout groupe qui ensemble avec nous, nous décréter la permanence politique pour nous montrer onze, pour nous montrer si c'est on que Haïti gagne monde. T'es gain plusieurs agents BESAP avec représentants secteur tant coup consul évêque, secteur ouvrier avec divers lots. C'est moun dans zone adjacente Port-au-Prince, Tabac, Delma, Pétionville, Kinskoff avec Port-au-Prince qui étaient présents pendant annonce mobilisation anti-équipe en place là. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis toujours concernant pays d'Haïti, action déforestation pour défense environnement ARED organisé yon journée réflexion dans occasion journée mondiale environnement dans commune Trou du Nord. Donc c'était hier, Jodley Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté.
Désertification, résistance contre sécheresse, ARED, qui c'est Action pour Réforestation et Défense Environnement, organisé mercredi 5 juin 2024, là, yon journée réflexion dans la commune Trou du Nord avec plusieurs centaines de paysans. Objectif journée réflexion ça, c'était pour sensibiliser paysans yo sur conséquences changement climat sur environnement avec besoin qui gagnait pour changer comportement yo face à réalité ça. Castin Milosten, c'est coordonnateur Action pour Réforestation et Défense Environnement ARED. Au niveau ARED, nous organisons une activité pour sensibiliser moun yo sur dégradation environnement. Année ça un thème que Nations Unies choisi mais qui marchait avec problème terre, sécheresse et résilience. Nous avons organisé une grosse activité ça pour que nous changer cible. L'autre année, c'est mon académique, étudiant à l'université, c'est professeur, leader communautaire, et puis élève NS3, NS4, nous avons invité dans deux conférences. Mais année ça, nous avons organisé une journée de réflexion sur le problème terre, sur le problème environnement et garder comment le changement climatique l'a frappé et paysans yo, pour yo changer mode culturel, yo, pour yo changer attitude yo face à l'environnement. Monsieur Castera possible pour le dire, c'était occasion pour paysans yo te réfléchir sur question des choukaïté qui gagne dans le département avec phénomène insécurité à cap frappé yo. Ces problèmes fonciers côté grand don, moun nan bourgeoisie ak moun ki gen pouvoir politique a volé te yo. Yo te gade question insécurité généralisée qui frappe yo. Castin Milosten déclaré, paysans yo pas découragé. Après rencontre là, yo te prend engagement sa yo. Il y a un engagement qui prend pour paysans yo récupérer terre que grand don moun ki gen pouvoir politique à pouvoir économique volé nan men yo et yo prend engagement pour yo changer comportement yo face à environnement. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Trou du Nord pour VOA Créole. Et puis la question cinéma gagne Merulène qui a paré pour accueillir projection yon film que des haïtiens fait en parlant de Kidnapping Inc. Et jodia nous t'ai rencontré avec nous t'ai accueilli dans studio nous yon producteur yo qui c'est Gaëtan Chancy l'a expliqué nous bonne nouvelle ça. Le lundi 10 à 7h20, nous avons l'opportunité de sélectionner nous dans DC Caribbean Film Fest. Et c'est un long débat. Et nous pas de film connaît parce que nous connaissons que Guillaume Pilmoun après Sundance qui tape un film. Nan. Et vendeur nous, parce que vous connaissez, dans le métier, c'est on, nous avons une équipe de monde qui charge de vendre film. Nan. Le fait que vous avez accepté l'opportunité, ça, le fait que moi-même, d'ici, je suis très content. Donc c'est à, j'aime t'as dit, à 7h20, lundi, là, cap finir, là, le 10. Mais ça, ça veut dire, par exemple, le Ougon film, ou c'est producteur film là, avec Gilbert Mirambeau, ça, ça veut dire pour nous, le film a passé et il a projeté le cinéma ici aux États-Unis, puis précisément dans Maryland qui à côté Washington. Bon, Ndaga dit, film là, l'offre film, c'est pour mon Noël. Donc, gain toute une stratégie, parce que nous-mêmes là, nous arrivons dans un stade côté que nous font première mondiale Sundance, qui sont très belles, Ndaga dit, publicité pour film là. Qu'on y a un sacrivé, c'est que faut gagner des séries de monde qui, que nous signons un contrat de distribution pour que après ça, y a le vendre film dans sous différents territoires. Donc, le fait que ça a fait, un petit temps qui prend avant que le bail ça a fait, donc, vendeur yo gon mode yon ti jan kenbe bagay la ou pa vle lage l trop. Donc mais même depuis film nan fin sorti gen pile moun ka ban nou pression gen pile moun ki vle wè film nan mais c'est petit petit n'ap avanse vers étape ça à côté que bon li pral disponible dans cinéma et éventuellement sur des plateformes tout bagay ça. Donc là m'pense enfin le 10 là m'pense c'est première fois que un gros public haïtien pral wè film nan parce que Sundance c'est ton public n'ta ka di de professionnel ou de moun zone nan. Donc film nan quand même son film qui a m'ta di 90% créole bon petit point de français la donne. Je pense que malgré que nous essayons de faire une ambition ou du moins une portée internationale, le film n'a été profondément haïtien, il traite de problèmes haïtiens, de réalité nous. Donc, je suis très curieux de voir la réaction haïtienne devant le film. Nan. Donc, c'était Gaëtan Chancy qui s'est producteur et film Kidnapping Inc. N'a pas capable de voir l'intégralité interview ça sous VO Acreol, mais sur toute plateforme nous. Et donc, il était branché pour ça. Donc, on doit arrêter toujours dans la question culturelle parce que moi, mais c'était moi, héritage culturel haïtien ici aux États-Unis et grand pile activité qui t'est marqué moi ça. Nous allons rejoindre Jude de Ansré depuis État Floride.
C'est dans Island Space Caribbean Museum de Miami que cérémonie clôture exposition Zèbre artistique haïtien pendant le mois de mai 2024 là t'est déroulé dans une séance débat sous problème artiste peint haïtien. Yon panel qui t'est là-dedans le poète, entrepreneur, artiste peint, professeur l'école avec activiste communautaire, t'est débat problème tant cou manque intérêt pour peinture par public là, fonds économiques pour artistes qui pas là avec tête ensemble qui pas existé dans parmi artistes. Dominique Amboise, qui était peinture exposé pendant un mois dans l'exhibition, a expliqué le problème qu'elle identifiait pour peintre haïtien. Nous-mêmes, en peintre en général, et nous pas capables de vivre tout le temps de hors. Nous avons un moment pour nous produire. Le moment de produire, nous avons exposé tout, mais il y a des moments morts pour artistes. Donc, fort. Pour artistes qui vivent de Orly, il faut avoir une subvention, il faut avoir une aide. Bon côté parlé, Jimmy Moïse, qui t'a organisé exposition, pas tout à fait satisfait. Oui, oupi, satisfaction, il y a double sens. En termes d'événements, en termes de participation de monde, oui. Et non, parce que pour qu'on ait un tableau qui vend, parce que son exhibition d'art que lié, c'est-à-dire que moi, je présentais des artistes et artistes peintres. So, joie moi c'est à ouais que au moins gain yon ou deux peintures de artistes ayo qui vendent qui méritaient non seulement tout ça que yo passé pour yo venir pour yo mettre œuvre là pour yo prendre temps pour yo venir là. Ça fait deuxième exhibition que nous présenter, nous t'ai ouverture, ça c'est closing là. Donc en gros, bon bilan mitigé, voilà. Yon l'autre côté, Jean-Jacques Stéphane Alexis, qui c'est un peintre et qui était participé dans le panel là, pas fait ou pas boire pour l'identifier, problème peinture. Bon, en général, peinture haïtienne, le problème que nous avons, c'est un problème économique. Et puis, il y a manqué côté pour exprimer, il n'y a pas de monde supporter. Il y a besoin, par exemple, côté pour faire exhibition. Vous comprenez? Il y a des fois, on a rien pour choisir entre acheter peinture ou bien acheter manger. Pour finir, Elisabeth Guérin, journaliste qui a joué rôle modératrice dans le débat cérémonie clôture exposition peinture l'Union fait la Fosta, identifié aspect positif et négatif pour peinture haïtienne. Alors, il y a un pile bon bagage que nous retenu. D'abord, volonté nous pour positif là, pour négatif là, nous pas structuré et organisé assez. Et ça c'est problème nous en général nous-mêmes haïtiens, nous avons pile bonne volonté, nous avons pile en pile talent. Mais nous pas organisé, nous pas structuré. Et c'est sous ça pour nous travailler. Non, Pam, c'est Jude Deroncé. Pouvez-vous à Créole, Miami? Merci, Jude Deroncé. Et c'est avec dernier reportage ça que nous pourrons mettre fin dans le programme d'aujourd'hui. C'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Et gros nouvelle là, au niveau international, c'est 80e anniversaire, ça aurait les 10 dés, jour J, c'est 80e anniversaire débarquement qui était fait 6 juin 1944 et bon paquet leader mondial qui fait déplacement, gain premier ministre, gain notamment gain président américain et Joe Biden, gain premier ministre canadien Justin Trudeau, nous t'étendez et dans reportage Sandra Lemerla, t'es gagné et tout Volodymyr Zelensky qui était là tout qui c'est président ukrainien. Et grand pile mon spécialiste cap signaler tout l'absence de président Rusla Vladimir Poutine. Donc c'est depuis nous voyons que président américain Joe Biden lui-même lui fait plusieurs discours. Jodi al font discours dans occasion joie même 6 juin et il était déjà fait un discours avant ça. Donc c'est un gros point cap dominé actualité à au niveau mondial semblait attaque ça que équipe défense l'armée défense Israël fait dans Gaza côté gain plus passé 30 monde qui perdu la vie. Ça c'est dans l'école. Donc et puis gain pour ces petits garçons président américain et après petit Joe Biden en parlant de Hunter Biden qui a continué pas bon ici. Mes amis, c'est ton plaisir pour nous te servir. Nous voulons remercier Hélène, Nelson Samblier et stagiaire nous Jared Williams qui tout nos superstar bon ici dans Washington DC qui est avec nous et nous bien content que là avec nous. Nous remercier Fred Kaimit qui est avec nous dans Washington pour deux jours et puis Samblier chef pupitre là Jean-Marc Hervé Abella. Moi-même moi c'est Jacques Lambilizer qui a cassé rendez-vous avec nous demain. Kembela, Palagé, donc à demain. Bon, la société comment nous y est, quand on a bon jeudi dans l'émission Carrefour Vérité avec collaborateur M. Desi Venesse qui nous va continuer à parler problème pays.
Et nous connaissons très bien ces questions conseil présidentiel avec PM Gary Kouni, dans question régime ministère, dans question posée action pour bandi, contre bandi armé, et permettre que la vie capable de prendre, c'est ensemble de points ça yo. Nous prenons questionner, nous analyser avec invité nous qui souhaitent ensemble avec nous, et qui avec nous en direct, nous capable de dire ça clairement. Désir, comment est-ce avant que nous venions avec invité? Les personnes contents rejoignent nous dans l'idée pour venir chita dans mitan kalfwa pour parler toute vérité à nos amis internautes tout partout qui brancent mais ça nouvelle blaze info pas une nouvelle vente calbas info racine nouvelle Haïti parce que moun sa yo yo addicté pour connaître ça qui a passé en dedans pays. C'est pour ça que nous entend dans toute dernière émission actualité il faut que nous garder avec moun qui a bataille ou bien qui t'a bataille qui toujours a bataille pour venir parler avec peuple haïtien pour monter essayer l'espoir tout bon vrai puis retourner en dedans pays à Blaise Peterson. SDP frappé. André Michel mandé à tout parti politique pour yo baï Gary Kouni une chance pour le capable monter gouvernement pour contre lui. André Michel André Michel va sérieux désir. Je pas sérieux. Bon, la coupe à Henri. Faut next suspend à marcher avec enveloppe jaune. Faut next suspend rester devant barrière El Rancho pour avoir les Gary Kouni a sorti. C'est ça que André Michel déclaré pour cette que situation paraît très difficile dans tout dernier moment en pile pression bon côté secteur et information qui fait quoi que Gary Kouni dit que sur 18 ministères là il pas continuer à blesser personne il bail en pile problème dans niveau conseil et présidentiel transition parce que en pile nègre qui sorti dans des structures dans des organisations dans des partis politiques qui gagne des militants qui après tant en bagaille qui pensait que t'as pas joindre un ministère et ben bagaille capable chavirer blesser personne pas oublier journée 5 juin qui s'est passé là. C'était journée internationale de l'environnement, diverses et directions départementales qui lient avec agriculture, organisées et ont ensemble d'activités respectivement dans le département de la Tibonite, avec département et centre et grandance, et spécialement agent de Sapio, et c'est égalé. Songez que vous gagnez, vous même comme responsabilité de protéger l'environnement, donc vous voulez parler des agents de Sapio, vous avez fait gros activités pour journée si là, les personnes. Nous pouvons regarder. Question et diverses rencontres qui fait entre conseiller présidentiel yo avec Gary Kouni déjà, avec divers acteurs qui a cherché rejoindre pour connaître est-ce qu'il a fait, il a fait partie du gouvernement qui pral monter à. Nous pral regarder avec yo invité. Comment comprendre ensemble des matchs qui a fait là yo? Est-ce que n'y pas senti lui-même bon côté parle, li lesé, vini Gary Kouni qui soutient international là après 12 années pour venir premier ministre, surtout avec ensemble annonce qui a fait là yo? Est-ce qu'elle sentit dans les bains, c'est invité à qui pral dire nous blesse personne? C'est Liska Jean-Élysée, comment est-ce que ou c'est invité nous jeudi à comment est-ce que? Mon cher, nous là, Blaise Peterson, nous là, toute l'équipe de cette émission, nous saluons Désir Vénès, et ainsi que population haïtienne, internaute, qui toujours fait le devoir pour que vous participez dans un grand espace ça. Moi, content ensemble avec nous, permettre que me saluer ensemble dirigeants, sympathisants, organisation politique Chemin de Livrance Haïti, qui eux-mêmes, ta bataille, pour que transition ait été arbitrée par un juge de la Cour de cassation et qui t'a permettre que nous mettions sous pied un gouvernement d'entente nationale avec des ministères réduits qui t'a permettre que nous réaliser transition. Donc, je dis, hein, c'est pas des massas, c'est conseil présidentiel qui gagne dans tête gouvernement le docteur Gary Kouni. Donc, nous prenons acte de ça et nous pensons que, nous pouvons regarder comment nous sommes capables de payer à sortir dans ce lien. Et bon, regardez ça avec vous avant même venir avec PM Gary Kouni. Bon, regardez le conseil là avec vous avant. Déjà, plus passé un mois que le conseil là est installé, on dit de 25 avril à 25 mai. Et je dis à nous, nous sommes dans la zone 6 juin, de le conseil, 5 à 6 juin. On bilan pour même déjà un mois et le conseil là, ça le tapis. Bon, et on bilan pour le conseil là, c'est 5 sur 10, puisque, et maladroitement, y'a arrivé, y'a eu tout privilège, yo. Bon, même lorsque c'est sous la pression du blanc, y'a arrivé permettre que y'a un premier ministre qui émane de yo, même lorsque c'est controversé. Mais cependant, il nous reste beaucoup à faire, puisque dans un mois, on aurait pu penser que le conseil présidentiel t'a établi l'administration du Palais national, c'est-à-dire le secrétaire général du Palais national, ainsi que le secrétaire général du Conseil des ministres, et qui va permettre que, de concert avec le nouveau gouvernement, il va aller beaucoup plus rapide. Mais cependant, il n'y a pas là, il n'y a pas là, mais quand même, et nous pensons qu'il faut un petit effort
et nous-mêmes nous devons continuer à frapper mais pour que yo aller beaucoup plus rapide parce que il y a péril en la demeure et population haïtienne n'a pas attendre encore. Il n'y a pas attendre encore, mais regardez comment que chaque conseiller, lui-même qui fait une répartition de travail, de domaine ou bien de champ, ou bien de chantier à lui-même. Est-ce que ouais, l'entendez ensemble de conseillers ça qui répartit soit dans santé, dans justice, dans éducation, ou bien dans sécurité? Est-ce que ouais, répartition de travail qui dit lui-même le point en charge non? Pour lui-même ou est-ce une bonne répartition? Mais est-ce qu'on attend que répartition ça apporte résultat pour lui-même? Bon, ça va dépendre de qui ça me pense des résultats, dans la mesure où, et nous-mêmes dans le chemin de délivrance Haïti, nous t'es toujours croit que, manche transition ça, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, tout le monde qui a bien pour prendre pouvoir, c'est rassurer que vous facilitez la libre circulation via bien dans le pays, et prendre disposition pour élection organisée. Parce que en dans un régime démocratique, c'est l'alternance du pouvoir et l'alternance du pouvoir se fait à travers des élections. Donc nous parlons gain 8 ans depuis pays à organiser des élections. Donc c'est une abomination pour démocratie, c'est une abomination pour l'État côté que cette transition manche longue cap menel. Donc nous-mêmes nous voulons aider pays à sortir dans transition manche longue ça. Parce que nous n'avons pas de faire aucune coopération internationale avec aucun pays dans le monde, là, avec aucune entité dans le monde, là, en dans un gouvernement de transition. Donc, pays a un paquet de revendications, pays a un paquet d'attentes, mais les gens qui sont capables de combler l'attente, c'est les gens qui sont dans l'élection, qui légitimement et constitutionnellement élus. Donc, dans ce sens, ça, qui prend le ministère, nous avons toujours souhaité que le ministère Sayo pose des actions en dans période de transition pour la population. Yo moun pran ki pran ministère de la santé publique. Nous avons aimé en dans période de transition parce que l'État n'a pas campé. Li mette disponible pour la population. Ainsi que le ministère des Affaires sociales, de l'éducation nationale, de la planification, des travaux publics, etc. Nous avons aimé le ministère Sayo disponible pour faire service population. Mais cependant, nous sommes dans une période de transition. Depuis que c'est un groupe politique qui prend pour pouvoir, pour un ministère, c'est pour faire service secteur politique, c'est pour satisfaire caprice groupe politique. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous ne attendons pas quelque chose. La seule chose, nous avons souhaité que la transition aboutisse à des élections transparentes et démocratiques. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, dans la bataille, vous pouvez y arriver dans cette situation. En nous gardant ce désir avec vous-même, tout, parce que nous désir avant avancer avec deux questions, tout, parce que nous allons venir sur question Gary Koni, l'ambassade, c'est qu'à venir sur les tout, mais désir en nous gardant avec vous, et n'en face question pour vous. Monsieur Seliska Jean-Élisée, on essaie donc de regarder le modèle de situation que le pays a pratiquement connu, qui pourra faire face avec une question des présidences tournantes. Premier président, pratiquement, qui a gagné, puisque au mois, depuis qu'il prend fonction, ou dit que au bayo 5 sur 10. À partir de qui ça, que vous voyez fait, qui permet que vous bayo 5 sur 10 que vous dites que vous bayo parce que le problème insécurité a toujours été même en pareillement. Et en pile violation qui lié avec accord politique qui vous déjà entre vous, qui était lié entre date 3 avril 2024, là, pour jusqu'à présent, c'est le retour qui a fait, le parité statique, dans ça qui est pour avec accord politique qui vous, c'est toujours une discussion dans le temps. Qui ça permet que vous bayo 5 sur 10? Merci, Désir Venès, pour la question, qui c'est une très bonne question avec beaucoup d'élégance. Mais elle me permet que moi, qui pas comprendre ça, n'a pas parlé là, qui c'est politique. Au moins, il y a un petit lossière compréhension. Il y a développé un petit lossière compréhension, pour comprendre ça, n'a pas dit là. Pas oublier que nous sommes dans un gouvernement de transition. Nous n'avons rien à espérer là, en termes de développement, pas le fait là. En le gouvernement de transition, c'est rétablir situation sécuritaire pays a prend disposition pour faire des élections pour permettre que pays a des dirigeants légitimes et constitutionnels. Et maintenant, au moins, conseil présidentiel là, avec toute tractation, toute contradiction interne que le gagne. Donc, il était supposé mettre établi façon mode de fonctionnement, institution par les nationales et la primature. C'est vrai que pour établir tout le monde ça, yo, mais je dis à yo goumé, dans la bataille, yo mettez premier ministre.
Pas oublier que c'est pas conseil présidentiel là qui parle mettre sécurité, mais c'est plutôt gouvernement à travers CSPN là qui va diriger par premier ministre. Donc si on met premier ministre là et premier ministre qui est à fond pas plus de CPTA, li nomme chef cabinet, li nomme secrétaire général de la primature. Kounia, c'est Palais National qui vient pour nommer le secrétaire général du Palais National et le secrétaire général du Conseil des ministres. Et à partir de ça, il y a pas le fait un Conseil des ministres spécial pour commencer à prendre disposition sur comment il agit, sur qui grand axe il agit et qui façon il va permettre que s'il y a changé de directeur général de la police là, commandant chef là, et puis dans le Conseil des ministres, il y a fait, là, ça a commencé à embarquer. Mais un fait est certain, il y a fait plus gros pas qui se permet que bon chef de gouvernement qui arrive établi, et à partir de chef de gouvernement, nous espérons que à partir de ce week-end, à partir de la semaine prochaine, a gagné toute liste non mounio qui est disponible pour capable passer à la cérémonie d'investiture et installation, pourquoi pas. Et à partir de ça, les ministres seront bel et bien au travail. Les salles vont commencer à prendre disposition pour convoquer les directeurs généraux, les missions diplomatiques, pour capable faire travail là. Mais cependant, ils ont fait plus gros pas qui s'est facilité l'installation ou l'arrivée à la primature de premier ministre. Monsieur Seliska, ou pas imaginer que le pays a pris une situation qui est capable de beaucoup plus difficile. Là, on gagne 4 mois à raison de 5 mois et yon qui a fait 6 mois et comme coordonnateur ou bien président conseillant, yon sa cap vini avec échange à travers le ministère, soit qu'il vient avec le gouvernement. Par exemple, on va aller penser sur ce pays dans l'initiative. Ça, nous connaissons que chaque conseiller qui fait partie du conseil présidentiel de transition, il est sorti dans un parti politique différent, sans doute qui a préparé l'élection qui a venu. Je vais dire que vous n'avez pas jamais appuyé au bagage. Comme ça, et monsieur Blaise, avec auditeur, auditrice, capitaine de nous là, nous n'avons jamais. Nous ne pouvons jamais supporter un bagage comme ça. Puisque société à tout pays, Machiavel dans le prince de la politique, de moralité. Tout pays a valeur, a norme, a mythologie à défendre. Nous ne pouvons défendre ça. Nous-mêmes, nous pensons au niveau chemin de délivrance, démarche pour entrer dans la présidence tournante, ou la présidence mourante, ou la présidence marchante, c'est ça nous a capable le chien à boire. Mais la caravane passe. Pas gagné de avenir dans ça. Et pas gagné quel monde dans la société pour supporter un bagage comme ça. Comme sénateur Galé Blanc, fils lui-même qui a besoin de permettre que le premier ministre installé, il peut être d'accord avec vous, mais qui laisse le monde qui va d'accord avec un bagage, une bêtise comme ça. Si nous acceptons avec, c'est que nous parlons d'accord que si M. Damio pas fait élection pour permettre que 7 février 2026, bon premier ministre qui est installé, bon président qui est installé, mais monsieur Bral capable, soit son bon matin, pour résolution, il a prolongé date mandat. Même Jean-Noël Ariel de faire là. Et pas capable dans quel secteur dans le pays qui est d'accord, qui parle pour une bêtise qu'on a fait. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter démagogie, nous ne pouvons pas supporter bêtise, nous déjà prenons la bilan, nous déjà prenons bagaille que le pays a déjà reconnaître qui sont conseil présidentiel à 9 ou Nadan, qui est un privilège ou pas de bagaille dans le pays. Mais nous pas qu'à continuer à supporter des bêtises et nous croyons que ça, encore une fois, c'est la même démarche, le chien à bois, mais la caravane basse. Pas qu'un avenir dans ça et la population pas supporter des bagailles, ça parce que vous connaissez, les capables de pays dans une situation difficile. Et si vous avez, vous pensez que y a coupé aide humanitaire, il y a météo dehors, même communauté internationale qui va pouvoir chasser yo, parce que communauté internationale là, il y a pour là que le vote est là, avec tout pouvoir, plein pouvoir, que le docteur Gary Conille à la tête de la primature. Selon vous, vous pensez que Gary Conille est capable de délivrer marchandise après 12 ans qu'elle saute passer de tout à dit à travers vote qui fait à travers le Conseil présidentiel de transition, c'est presque à l'unanimité qu'elle vient passer comme Premier ministre. Et Gary Conille, elle a quitté la primature, dans la petite bouche qu'elle a gagnée, elle a dit qu'elle ne peut jamais tourner. Et dans le job l'État encore, et je dis, il vient comme Premier ministre, ou pas estimer qu'il y a une incohérence pour côté et Gary Conille dans une déclaration comme ça, venir comme Premier ministre, ou sentir qu'il a cassé le pays. Bon, pour me répondre à la première question,
Marchandise pour délivrer, c'est qui marchandise? C'est faciliter l'hypsy.